La société ADEMA conçoit, développe et fabrique un ensemble d'Estor Reflexol dans son usine de 1500 m² basée dans le sud de la France à Limoux. Les stores intérieurs réflecteurs étant uniquement conçus sur mesure, les phases de fabrication aussi entre un procédé semi-industriel et des interventions humaines et manuelles nombreuses. Avec l'utilisation des toiles réflecteurs, il a fallu concevoir des machines et des outils spécialement adaptés à ce type de matériaux. Il en va de même pour les colles, les aiguilles de couture, les ciseaux de coupe. La fabrication des stores californiens est entièrement automatisée. Après avoir chargé les galettes de tissu, l'opératrice effectue la programmation en fonction des données fournies sur sa fiche de fabrication. Les bandes verticales de 127 ou 89 mm de largeur sont découpées. Pose de la barrette et ourlet du bas sont également automatisés. La découpe des toiles des autres stores de la gamme est semi-automatique et ou manuelle. Cette grande machine à ultrasons est principalement dédiée aux découpes de toiles pour les stores en rouleur type Vertigo et les autres stores d'une longueur supérieure à 4 mètres. Pour les toiles des stores sous toiture, une couturière intervient manuellement sur une machine de traçage pour définir l'emplacement des plis. La toile est ensuite découpée par ultrason. L'assemblage de la toile été-hiver, composée d'un tissu réflecteur, d'une ouate isolante et d'un tissu décoratif, est réalisé mécaniquement par cette grande machine Pic-Pic. Cette toile est destinée aux stores Trisola, Trisolis et aux rideaux thermiques. Pour ce qui est de la confection des stores sous toiture, ce sont nos couturières qui assurent les ajustements de toile et leur finition. Qu'ils soient en acier ou en aluminium, l'ensemble des profils, tubes, coffres, raidisseurs sont découpés aux dimensions désirées. L'assemblage des pièces et des accessoires sont prémontés manuellement. Cette étape de la fabrication doit être exécutée avec soin et attention, car le bon fonctionnement des stores et leur pose en dépendent. Les trains de chariots pour les stores de type californien sont eux entièrement automatisés grâce à cette machine qu'il suffit d'alimenter en accessoires. Les mécanismes doivent être complétés manuellement par la pose d'embouts, de chaînettes de manœuvre et de pièces diverses. L'assemblage du store Vega est entièrement manuel. En premier lieu, la toile est fixée sur le tube, puis les réglettes, un éventuel moteur et de nombreuses pièces utiles au bon fonctionnement sont assemblées. L'ensemble sera disposé dans un coffre. Lors de la phase expédition, tous les éléments de chaque commande sont répertoriés. Ils sont ensuite minutieusement emballés afin de ne subir aucun dommage lors du transport. Grâce à son expérience acquise depuis 1987, ADEMA Reflexol a pu acquérir une image de marque et une notoriété qui place les stores Reflexol à une position de leader dans le marché des stores intérieurs réflecteurs. Nous sommes intransigeants dans la qualité des matériaux utilisés et dans le grand soin apporté à la fabrication par des collaborateurs qualifiés et expérimentés.